faut l'arrêter immédiatement. Oui. La lave arrive presque à notre niveau. Attention, l'eau de côté. Eh, vous sentez pas, il y a une odeur d'ail. C'est plutôt fort, du genre pimenté. De toute façon, ça n'a rien à voir avec de la lave. C'est de la sauce mexicaine, ça. Exact, mesdemoiselles. Hephaestus? Il n'y a jamais eu d'Hephaestus. C'est Thierry! Et vos hommes de main sont de vrais agents du Whoop? Et Corée est en réalité... Un intello? Vous n'essayez pas de détruire la planète? Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela faisait partie du test. Rien de ce qui s'est passé n'était réel. C'est exact. Ce faux volcan fut un jour un repère de malfaiteurs. À présent, nous nous en servons pour nos tests annuels. Alors, vous nous testiez? Est-ce qu'on a réussi? Non, la lave vous a atteint avant que vous n'arriviez à sauver le monde. En conséquence, vous allez devoir repartir en entraînement. Corée? Tu étais dans le coup, toi aussi? Moi, je m'appelle Moray, papa Corée. Alors, ta danse préférée, c'est pas le Tawalunga? Ah, je suis désolé, il y avait un micro dans ton sac de plage. Je sais même pas danser. Qu'est-ce que c'est, Jerry? C'est encore un nouveau test? Non! Cette fois, c'est vrai! Génial! On perd la rencontre d'athlétisme, je tombe amoureuse d'un idiot, il manquait plus que ça! Sous le faux volcan, il y en a un vrai! Et il est en éruption! On n'aura pas le temps de dégager la sortie! On est piégé. Reculez! C'est de la véritable lave en fusion! Quelle ironie du sort! Faites attention! Oh! Si seulement on pourrait s'envoler par là! Mais bien sûr! Alex, ton parachute, tu l'as bien remis dans la trousse d'urgence! Oui, mais je vois pas ce qu'on peut en faire! Un ballon d'air chaud! Si toutefois on arrive à l'ouvrir dans le cratère! Ça, je m'en charge! Ah! Je crois que c'est gagné. Merci, les filles. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité. Vous voulez toujours nous recaler? Non, vous avez réussi. Avec mention. Génial! Que diriez-vous de vraies vacances, maintenant?